Salut tout le monde, ici Alex de... C'était vraiment horrible. Salut tout le monde, ici Alex de Projet Barbecue. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau jouet, le Oni Carousel. Ça fait des mois que je regarde cette machine, que j'ai envie de l'essayer, que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans, à quel point c'est performant selon les reviews. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, je vous ouvre la boîte, je vous fais une pizza, je vous explique comment ça marche, je vous donne mes premiers commentaires à froid, puis on fait tout ça ensemble. On fait ça ensemble. Fait que restez là, ça commence dans 3, 2, 1... Donc, en partant, qu'est-ce qu'il y a à savoir avec le Oni Carousel 16? 16, c'est pour 16 pouces, donc tu peux faire jusqu'à des larges dedans. On parle, dans les specs, on parle de température allant jusqu'à 950 degrés. On parle de pizza prête en 60 secondes, seulement 15 minutes pour le préchauffer aussi. Juste en partant, le packaging ou l'emballage est vraiment bien fait et très clean. Ça donne clairement envie de faire une pizza. Donc, je vais vous sortir ça pièce par pièce. Puis si je vois que c'est vraiment mauvais, au pire, au montage, je le ferai comme en accéléré. Ça va être drôle. Pierre à pizza 16 pouces, en partant, qui est super bien emballé. Donc, de façon hyper sécuritaire, on s'assure que notre pierre n'est pas brisée en partant, ce qui serait une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que j'ai au fond? J'ai aucune idée en passant s'il est déjà monté ou pas monté. J'ai une autre plaque, dans le fond, pour faire l'avant, j'imagine, du carreau ou l'arrière. Deuxième boîte. En passant, là, c'est quand même une bonne boîte. C'est un bon poids. Donc, prévoyez peut-être être seul ou à deux pour le lever. Là, c'est quand même plus lourd que je pensais. En fait, tu vois que les composantes ont l'air vraiment de qualité aussi. Bon, j'ai le petit là-dedans, j'ai le petit guide de l'utilisateur, évidemment. Mes trucs de garantie, tout ça. Super intéressant. Mais je me lance sans lire tout ça. Puis il semble être... on va le voir, on va le découvrir. D'après moi, qui est comme le cap pour la cheminée quand on fait du rangement dessus. Et voilà, la machine que je vous sors à l'instant. Mais que je vais vous sortir avec un genre de montage louche. Là. Je vais faire ça. Tu as senti la magie du montage? Donc, il y avait évidemment le carreau. Il y a d'autres composantes à l'intérieur. Ici, j'ai la porte. Parce que c'est une porte vitrée, en fait, sur le carousel, qui reste vraiment clean, en fait, là, de ce que j'ai vu, là. Elle semble pas noircir ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de la pizza ou du four à pizza. En dedans de la pizza, c'est un peu plus tough. Mais on voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur du four à pizza. Ça nous permet, dans le fond, d'avoir une cuisson qui va vraiment être optimale. J'ai une petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte? On a d'autres petites composantes. Et le thermomètre, en fait, ça c'est un super beau feature, je trouve. C'est très rare qu'on voit ça sur ce type de four-là, que ce soit sur au gaz, au granule ou quoi que ce soit. On a un thermomètre numérique qui va vraiment nous donner la température à l'intérieur. Évidemment, ça ne donne pas la température de la plaque de cuisson, mais bien la température à l'intérieur du four. Mais qui va quand même donner un bon gauge assez précis là, de où est-ce qu'on est rendu en termes de température, tout ça. Évidemment, je vais essayer d'optimiser ça avec une température avoisinant les 900 degrés tout le temps. Et le petit bac à l'arrière. Bref, d'autres petites composantes là-dedans qu'on a ici. On a un gauge à l'intérieur, mais on ne le voit pas. Je vais vous montrer tantôt. Un petit gauge pour l'entrée d'air, la sortie d'air. Fait que ça va permettre encore là d'aller chercher un maximum de chaleur. J'imagine là-dedans qu'on a la cheminée. Et voilà, on a la cheminée. Avec encore là... une clé pour ouvrir, fermer pour la chaleur. Donc, c'est bien beau tout ça. Ce que je vais... j'ai une autre boîte. On va regarder l'autre. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'unité. Je vais vous revenir tout de suite après. Donc, on se retrouve une dizaine de minutes plus tard. Le carreau est monté. 10 étapes, super simple, super bien expliqué dans le guide de l'utilisateur. Donc, 6 vis. Bref, vraiment 10 minutes. Quelques composantes, dont le thermomètre qu'on a installé, dont la cheminée qu'on a installée, dont les plaques qu'on a installées. En partant, ce qu'on voit, c'est une super bonne qualité de construction. Là, j'ai une double isolation ici. J'ai un déflecteur, dans le fond, qui va m'amener à pouvoir utiliser la cheminée pleinement ouverte, idéalement, quand on ouvre tout. Quand on fait du charbon, du bois, on ouvre tout. Ceux qui sont moins charbon et moins bois, il y a possibilité d'ajouter un insert pour être capable de l'utiliser au gaz aussi. Donc, c'est vraiment multi-fuel à 100%.
vite épaisse, vite de qualité. La porte, elle a un certain poids aussi, on le sent bien. Ce que je vous disais tantôt, qui est vraiment intéressant avec le thermomètre, c'est qu'on est capable vraiment d'aller chercher la température qu'on veut aller chercher avec le thermomètre, qui va nous donner vraiment, avec une bonne précision, là, où est-ce qu'on se trouve. Cheminée, allez-y, complètement ouvert. Évidemment, on enlève le cap. Donc, la première étape pour moi va être de faire le seasoning. C'est toujours important quand vous avez une nouvelle unité de faire le seasoning sur votre machine. Donc, de brûler les huiles, les débris qu'il pourrait avoir, en fait, la production. Donc, on va faire ça à une température quand même assez modérée. On n'ira pas le pousser à 900 en partant. Donc, j'allume ça. Je laisse rouler peut-être à peu près une trentaine de minutes à 350, 400 dans ces eaux-là. Pour vraiment être capable de tout brûler, là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à l'intérieur de petites imperfections avant de faire notre pizza. Donc, je vous reviens une fois que le seasoning est fait. Donc, le seasoning est fait. Je l'ai laissé chauffer quand même une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Je l'ai laissé refroidir. Puis, ce qu'on remarque quand même, là, présentement, c'est sûr qu'il est plus bas, mais il n'y a aucun problème à mettre ma main dessus à ce moment-ci. Je ne l'ai pas essayé à haute température, mais la double isolation fait que l'extérieur devrait être quand même assez sécuritaire à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais me reloader pour une deuxième fois. J'attendais qu'il baisse en température. Évidemment, j'ai tout balayé l'intérieur là, de ça. Fait que tout ce qui peut être poussière de compagnie ou des trucs comme ça n'existe plus. On reload. On réchauffe. Techniquement, en théorie, selon ce que j'ai lu, ça prendra environ 15 minutes pour le ramener dans les alentours de 800-900. Donc, je fais ça. Ça va me donner le temps de préparer ma pizza. Puis, dès que ma pizza est prête, je vous reviens. Puis, je vais vous laisser sur une coupe d'image. Donc, premier test hyper concluant au niveau du carrousel, ce qu'on remarque en partant, c'est vraiment que l'isolation est vraiment bien. Là, je peux mettre ma main dessus, je ne la laisserai pas pendant 4 heures, là, mais je peux faire un tap. Donc, ce qui veut dire que l'isolation fait hyper bien le travail. Machine très simple à monter, très simple à faire fonctionner, très simple à chauffer en fait. Puis ça a vraiment chauffé rapidement. Là. Le temps de préparer ma pizza, c'était prêt, on était déjà à 830, 840 environ. Donc, ça chauffe rapidement, en moins de 15 minutes. C'est portatif, tu peux l'emmener partout. Bref, c'est vraiment une belle découverte, c'est une belle machine. C'est sûr que je vais jouer énormément avec ça. Puis pour la première pizza, évidemment, le résultat est parfait. Ou presque. J'ai un côté croustillant sur la croûte, je suis moelleux à l'intérieur. C'est exactement ce que je recherche quand je fais une napolitaine en 60-90 secondes. Donc, un game changer que tu veux rajouter à ton arsenal, que tu veux avoir tabletop comme ça. Puis même, je touche en dessous de mon comptoir qui est en bois. J'ai pas de chaleur, il y a un bon dégagement, donc ça reste sécuritaire aussi. Que du positif à date à dire dessus. Je vais juste continuer les tests puis vous faire d'autres vidéos un petit peu plus techniques au niveau de la pizza. Aujourd'hui, c'était vraiment juste pour vous montrer la machine en tant que telle. Évidemment, manger une pizza en même temps. Et vous montrer un peu les côtés techniques et tout ça, et que la construction et tout. Mais comme je vous dis, on va revenir avec des vidéos beaucoup plus axées sur la pizza, comment maximiser votre unité vraiment. Et puis, je vous dis à la prochaine. Puis merci d'avoir écouté. Puis je vais aller manger ma pizza. Puis je vais quitter le plateau. Ah oui, c'est Alex de Projet Barbecue. Oublie pas, abonne-toi si c'est pas fait. Bye!